J'ai pas le... Ah, par contre, j'ai la page de cahier. Et trois cartons vides. Ah oui, alors par contre, bon... Je veux bien que ce soit Seth qui a écrit le bouquin. Qu'il ou elle n'ait plus toute sa tête, mais... La fuite est également fait se replier le temps sur lui-même. Il y a un verbe en trop. C'est mort ça. C'est quoi la psyché d'Orion? Déjà Orion qui le fait qu'il se barre, ça et déjà il me casse les burnes lui. Déjà rien que ça il m'a pété les couilles. C'est Orion. Il n'y a pas un truc qui s'appelle la laisse et genre Arthur il a, enfin Orion il arrête de se barrer. C'est quel enfer. Et bonjour au fait, hein, si jamais j'ai repris la VOD ici. On s'éclate toujours sur cette spool à trouver la route alternative. Voilà, on est à l'abri. Ah, une fontaine. Ça ne pouvait pas mieux tomber. Ah, j'ai reconnu dans les voies possédées. Évidemment, il y a un indice. Tourne à gauche, au fond, à droite. Oui, comment les voies dans ma tête? Ouais, ça va, c'est génial. Tu explores les lieux, d'accord, mais fais attention. Alors du coup, est-ce que lui, ce singe-là, est une souche normale, une souche toxique ou une souche pet-pet? N'oubliez pas de prendre tes pilules et de ne parler à personne. Mais du coup, on parle à tout le monde et on n'a pas pris de pilules. On a fait le contraire de la procédure et on arrive quand même à ce qu'on nous casse les burnes. Bravo, une casquette 4. Ah, bah par contre, la casquette 4, c'est très puissant, du coup. Là, il va pouvoir bourriner. Bon, le problème, c'est qu'il a plus que 13 pèves. Peut-être qu'à la place de la serviette de plage, on va quand même lui mettre un truc pour qu'il... sur moi, squishy. Moi, je suis sûr aussi que c'est très important qu'il puisse se débrouiller tout seul sur le premier combat. Ah bah, la fameuse armure 3 qui est très forte. Bah, du coup, voilà, parfait. Bon, on se barre, hein. Ah, Luna a verrouillé la porte derrière vous. De toute façon, vous préférez rester au sec. On fout de tes guenilles à saler. Une pioche légendaire. Viva là, veuillez décliner votre identité. Et on avait tenté de fuir sur ce combat. Et veuillez obtempérer. On peut le tuer, hein. D'où venez-vous vos papiers, s'il vous plaît? Ah, des papiers? Ne vous inquiétez pas, j'en ai. J'ai un tas d'ordures, ça te plaît ou pas du tout? Mais il est relou. Bon, ok. Non, plus le one shot. Il aurait même pas eu le temps de dire grand chose. Punition! Mmh.
Bravo Orion. Épaulette rustique. Mais voilà, tu n'as plus rien à craindre, je suis intervenu. Mais non, tu n'es pas intervenu. Justement. Et peut-être un peu trop tôt, reste près de moi et tout ira bien. Oui, alors ça par contre, s'il pouvait écouter ça. Ça va bien se passer. Mais c'est qui me parle aussi dans les trucs radio? Le clock n'est pas très loin, continue ton chemin vers le nord. Bonne journée. Mais oui, mais ta procédure, j'en ai rien à foutre. Je veux plus de ta procédure. Je veux aller out of the procédure. Légonise un saliement. Un collier de perles. Qui augmente l'attaque. Ah mais... C'est normal que j'ai pas Jacqueline avec moi. Ouais, mais deux fois 22, c'est mieux. Mais c'est normal qu'elle soit pas dans mon équipe, Luna. Ah, il y est là. Je suis sûr que la pêche au trésor, c'est très intéressant aussi. Il y a un truc à faire avec ça. Le voyage continue. Et là, Orion a fui. Est-ce vraiment obligé qu'il fuit ? Ah là, musique et son par Morgan Cosseron. Sûrement une personne détestable. Dans d'autres circonstances, il aurait pu faire partie du voyage. Qu'il repose en paix. Une boule d'alchimie. Une protection utilisée par les alchimistes augmente l'intellect. Et les scrolls, et les crédits. Des kickstartés ou autre, on ne sait pas. C'est vrai que je me fasse un compte Kickstarter un jour quand même, juste pour voir, pour peut-être être complètement dans la hype des trucs et backer ce qui m'intéresse. En même temps, le seul truc que j'ai préacheté, c'est The Last Faith. Silence radio, tout le monde est mort dans l'équipe de développement et ça fait plus de 6 ans que, non peut-être pas, mais bon, qu'on n'entend plus parler du jeu alors qu'il avait l'air magnifique. Non, moi je les lis pas les noms des Kickstarter, mais c'est vrai que sinon j'aurais pu les connaître. Bon, j'ai le droit de sauvegarder là, c'est bon, j'ai toujours pas passé à l'une des routes. C'est sûr, on sauvegarde à chaque coup. De toute façon, là, c'était le tuto. Tu m'as dit le tuto. En même temps, là, on peut rien faire. De toute façon, je pense que tant qu'on n'a pas trouvé Arthur... Et 7, normalement, je dirais. Mais ça, après... Moi, je pense que je sais pas à quel point en fait on est obligé d'affronter le geôlier et de se retrouver embrigadé dans cet enfer sur Terre avec Michel. Et même si Michel on one shot et que du coup, parce que là on va commencer quand même à bien lui briller le fion. Même si on le défonce et qu'il ait même pas le temps de nous abductionner. Mais ça aussi c'est stressant. Hein. Je sais pas qui a mis ça pour nous trigger, mais. Promontoire lunaire, l'ultime rempart du cloaque. Est-ce que du coup
Pas de prêtre quoi. Mais ça, ça change tout. Là, Michel, ouais, il va douiller sévère. Aucun problème, j'ai juste manqué un peu d'attention. Ce marginal a tellement de bras, il peut asséner plusieurs coups à la suite. Une pilule! Tu veux une pilule? Mais non, mon dégoût finira par passer, oh les cœurs! Non, pas de pilule. On a dit pas de pilule. Peu importe si c'est un truc à faire ou un truc à pas faire. C'est quand même le tuto quand même qui te recommande, quand même, de quand même consommer des quand même. Des pilules. Oui, il y a encore la musique de victoire. Et voilà! L'empoté! Pourquoi l'empoté en majuscule? Et parce qu'il connaît toujours pas son nom. Tu sais qu'il n'est pas possible de franchir le promontoire lunaire. Ça, déjà, rien que ça, je ne comprends pas cette partie-là. Pourquoi il n'est pas possible? Il y avait juste un robot tout cassé. Et quand on parle de fuite, on parle de quelle fuite? La fuite de gaz? Ah, on se rend plus dans les garvas. Par contre, il y avait encore un tarvail. Hein. Le tarvail, c'est la santé. Malédiction, tu as vraiment le cortex embrumé! La pampa, toujours la pampa. Et c'est toujours Arthur. De toute façon, on peut pas le renommer Michel, si. Ah bah si, Michel, on nous propose de le renommer. Hop, hop. Alors, et après, il y a les souvenirs aussi que j'ai trouvé chelou comme Pokémon à affronter. D'ailleurs, c'est eux qui nous ont donné le code Steam. Ils nous ont donné aussi un carton, d'ailleurs. Je crois que c'est via un souvenir qu'on a eu un des cartons troués. Donc, ces histoires de cartons troués, moi, je trouve ça bizarre quand même aussi. Il y a trop de trucs, en fait, qui sont bizarres. Et il y a trop de trucs... je sais pas du tout si je vais dans la bonne direction ou pas. Oh mon dieu. Mais pourquoi on remonte tout en haut? Mais quel enfer, Haïti. Qu'est-ce que j'ai eu? Un blouson 4. Mais pourquoi je regarde là? Je m'en fous. C'est pas les rustiques. Ah, le blouson, il augmente la puissance d'attaque. Bah, de toute façon, c'est pas un mal hein, que Jackie commence à faire un petit peu mal. Et il a toujours son... son truc agricole. Par contre, ah oui, la balle de motricité aussi. Elles sont très adaptées au développement des jeunes mammifères. C'était pour le singe, ça. C'est méta. Et Arthur, lui, il avait un masque à gaz? Non, pas du tout. J'en ai d'autres, des masques à gaz? Non, même pas. On va en acheter. Si tu veux, tu peux gagner cette estime, Morgane. Si jamais tu souhaites jouer à ce jeu. C'est faisable. Ouais,
Bon, il y a juste à faire à ce que quelqu'un fasse un arrêt sur image et à rentrer la clé. Moi, j'avais tenté de la rentrer et du coup, il m'a dit ah bah non, tu as déjà le jeu en ta possession. Moi, je me suis dit c'est un autre jeu, c'est une OST, c'est quelque chose. Et au final, non. Juste à cause de des fautes, tu serais rebuté par le jeu. Comme ça troll. Une faux. Un outil très abîmé et couvert de boue. C'est pour qui la faux? Ouais, on en avait déjà une en plus. Les musiques sont pas ouf. Ah voilà. C'est ça, c'est quand même ça le gros problème de jeu. Dit-il alors qu'il chante. C'est aussi cet endroit-là qui me stresse. Ici. Pourquoi est-ce que c'est fermé? Pourquoi est-ce qu'il faut que les 6 soient rassemblés? Les Avengers et mon zombie. Ah, bonjour. Vous connaissez cet endroit ou pas? Attendez, on était où là? Le promontoire lunaire? Ah non, mais il le dit plus. Bon, le problème, c'est que le plan, il est pété. Ah bah, le plan, on revient juste en arrière. Ah oui, d'accord. On est de retour au promontoire lunaire. Ah d'accord, parce que là, du coup, c'était là où on a chopé Arthur. Et on a été passé par là. Ah bah, je pensais avoir trouvé un truc, moi. Alors oui, donc ça c'est une de mes capacités, c'est que je suis capable de retourner en arrière dans un jeu et tourner en boucle. D'ailleurs j'ai fait exactement la même chose IRL, alors que j'avais un GPS, pour vous dire. Bon après le GPS il était à moitié pété, hein, parce qu'il me faisait tourner en rond, mais... Incroyable ce nouveau segment de jeu. Le voyage continue. Bon, dès qu'on trouve un souvenir, on le grappine. Ah, malheureusement, pas de route alternative dans la vie. Grave, le geôlier. Non, je n'ai pas d'amis. Je suis venu pour le tuer. Je comprends pas bah aussi toutes ces légendes sur le geôlier. Pourquoi tant de légendes? Et pourquoi son père? Et pourquoi tout en fait? Et pourquoi son singe? Les portes sont closes. Ça perd les popettes. Un plan B? Ah oui, du coup, ah! Malédiction, encore une porte fermée! Mais là, on l'a pas du coup le bocal? Non, c'est Seth qui va nous le donner. Ah oui, non, tiens! Ah merde, trop tard. Du coup, j'ai déjà piqué les fumigènes. Mais si on pique pas tout. Seth va juste dire, il en manque quelques-uns, bon. Mais on aurait dû en prendre zéro pour voir si Seth allait dire, ah mais il en manque encore quelques-uns! C'est là, oui, il en manque quelques-uns. Et pourquoi il a 373 PEV quand on l'affronte? Par contre, il se retrouve avec 20 PEV quand on l'a dans notre équipe. Bonjour! Ah, bonjour! Oh, j'ai cru que vous m'avez pris pour un monstre!
Ah, j'ai entendu votre problème avec les portes. Je peux peut-être vous aider. Faut pas que tu puisses le tuer. Je sais pas, ce stade-là du jeu, je peux toujours pas le tuer. On aurait pu tester, mais... Et là, on le renomme en 8 ou en 9, parce qu'au final, avec le nombre de boucles qu'on a fait. Vous pouvez m'appeler 7, voilà, voilà. Voilà mon petit chez moi. Je fais partie de ceux qui ont été maudits par la fuite. Nous avons été mis à l'écart, à la merci des monstres et du soleil ardent. Mais Orion, il a une épée de ouf. Il a la double attaque avec les bretelles. Ah oui, d'ailleurs, on vient de sacrifier des bretelles. Ah, parce que du coup, tu cherches encore toi aussi une dernière route, la dernière route alternative. Ah, mais il en manque. Bah oui, mais le problème, c'est que voilà, on a retiré. Ingérer mon glucose, ôter mon masque, me faire des amis, défaire les anges, devenir Dieu, ne pas pleurer. Seule à la ligne, ingérer mon glucose et rayer. Ah bah c'est le seul truc qu'elle a fait, qu'il ou elle a fait. Faire des amis, défaire les anges. On n'avait pas croisé un ange de la télé-réalité à un moment donné dans la démo ou je sais pas où. Ou je confonds avec un autre jeu. Ah non, je confonds avec un autre jeu. Enfin, plus ou moins. Bon, il est déjà rempli, non? Qui est Alice plein? Tu as fait deux routes, mais je pensais qu'il y en avait deux. Il y en a combien? Il y en a 700. Bah oui, là ça va, c'est pas trop un spoil. Ça me permet aussi de savoir à quel point on a envie de se faire spoiler sur les premières routes, parce qu'on va pas y passer non plus 10 ans sur le jeu. Malheureusement, on a beaucoup trop. On a beaucoup trop de gens en attente. Et même aussi fort sympathique soit ce jeu, on a envie d'en voir plus. Parce que là, bon... Dieu et ses anges. Mais alors c'est quoi les anges de Dieu? Sachant que Dieu est une marmite à singes, est-ce que les anges sont les robots? Et la volonté des défunts qui se cristallise Elessibon? On ne sait pas trop. Voilà, là on a le flow. Donc là on a quasiment toute notre équipe. Donc c'est à partir de là où il doit y avoir moyenne, moyennée. Ah bah le retour de Jacqueline. La Banshee, on l'a déjà pêché. J'ai l'impression qu'on a déjà pêché l'univers. Une baie. Super. Bon, alors qu'on aura plus le one shot.
Tui. Un bracelet en acier. C'est bien de la merde. Ah oui, alors c'était... Est-ce que c'était ici où on était mort et on avait fait du out of bound? Est-ce qu'il y a ce genre de beau? Est-ce qu'il faut faire du out of bound en mourant? Que... Du coup, d'ailleurs, on était mort comment? On est mort volontairement ou... Non, on est mort involontairement. On avait réussi à mourir, du coup on avait fait du out of bound parce que... En plus, il me semble qu'à un moment donné, on aperçoit, on entreaperçoit un sort de monstre un peu dégueulasse. Ah. Un patch pour éviter le OOB. Donc du coup, j'aurais tendance à dire... Oupsi. Bon, voilà. Merde. C'est parti. Parce qu'on avait vu qu'il y avait un monstre, en effet, des plus sympathiques à... J'ai l'impression que dans les catacombes, on a loupé toute notre vie. Déjà. Ça, c'est impressionnant. Mais après, du coup, est-ce que les routes sont imbriquées les unes dans les autres? C'est-à-dire que, du coup, tu réussis à aller dans une route, et donc la prochaine route est forcément dans cette même route. Ça marche par embranchement comme ça, ou pas forcément? J'ai creusé si profond, mais toujours pas derrière monde. Déjà, qui a écrit cette merde, par pitié? Je sais plus où était ce monstre de l'enfer. En vrai, en même temps, je confonds peut-être avec la démo. Ou avec un autre jeu. Et là, du coup, on va bientôt arriver au geôle. Où l'ennui est des plus absolus. Bon, du coup, on a rentré en effet le 5437. Je sais plus si c'était ça ou pas. Et on a eu un casque nul et on était heureux. On n'a jamais été aussi heureux de notre vie. Ok. Là, par exemple, pourquoi est-ce qu'ici nous avons un point de chute? Moi, j'aurais presque envie de me transformer en carton ici. Le call sur les plans Growth Market, mais ça n'existe pas. Ah oui, du coup, les cartons ont bien été reset. Oui, incroyable. Regardez, maintenant qu'on a trois cartons, on a fait trois fois la route. On prend les affaires, on prend les cartons vides. Et page de cahier 7, ça veut dire quand même il y en a au moins 6 autres qu'on n'a pas eu. Ou alors c'est pour montrer 7 parce que ça appartient à 7. Et c'était pour faire une blaguette. Une blagonnette. Là, je sais pas si j'ai envie d'affronter Michel. Hein. Ah, il est bleu. En plus, Michel, il est à côté de quoi, là? Qu'est-ce que c'est que cette immondice qu'il a à côté de lui? On peut pas lui faire une feinte, genre on ouvre la porte et il se jette dedans. Et il nous voit pas, parce qu'on est caché dans un carton. J'ai déjà sauvegardé avant. C'est verrouillé? Ah oui, mais ça c'est la porte vide. Là je peux re-sauvegarder? C'est ok. C'est bon, j'ai toujours pas fait de bêtises. N'oubliez pas que l'employé du mois aura droit à un gilet unique et sur mesure. Il existe en bleu, en jaune et en orange. Les disponibles sont L, M, XL, 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 XL. Jamais poser deux questions contradictoires. J'ai dit, ah c'est bon, je peux sauvegarder. J'ai pas fait de bêtises et donc du coup, j'ai eu la réponse, non c'est bon. Qui était la réponse à la deuxième et pas à la première, enfin. Ouais, bref, vous avez compris.
Bisous, bisous. Bon, déjà, on bord tous les murs. Principe numéro 1. N'oubliez pas que l'employé du mois aura droit à un gilet unique et sur mesure. Il existe en bleu, en jaune et en orange. Ouais, on peut acheter un masque à gaz. Et de l'eau pure, mais il manque le l'icône. Là, il faudrait que j'achète deux masques à gaz, non? Ah non, lui, on lui a mis l'écharpe en laine pour être sûr que... Et après, il peut facilement se vénère... Arthur. Donc peut-être qu'il n'y a pas besoin de lui acheter de masque à gaz. Oui, les picots. Le travail. Le travail. Est-ce qu'on peut refouiller dans les cartons? Ça, de soi en même temps, j'ai déjà fouillé dans les cartons vides quand j'ai eu le bug des trucs d'accès. Des clefs. Donc là, on retrouve les bitonios. Mais il me semble que j'avais... oui, de toute façon, forcément, c'est déjà ouvert. Ce carton, je l'ai déjà pris. Bonjour, Jean-Michel. J'ai bien reçu ta requête. Parce que le mec, il s'appelle Michel, et du coup, il a oublié son code. N'oubliez pas que l'employé du mois aura droit à un gilet unique et sur mesure. C'est le 1, 2, 3, 4. Ne l'oublie pas cette fois-ci, cordialement, Jean-Charles. Mais de toute façon, dans les deux trucs qu'on lui pique, que ce soit le 1, 2, 3, 4 ou le... ou l'autre. Jean-Claude. Et lui, il est en majuscule, on sait pas pourquoi. Nul besoin de se syndiquer. Et le nouveau. Nos employés, vous êtes important. Vous êtes l'avenir de l'entreprise. Appuie sur le bouton mauve. Et quel bouton mauve? Qu'est-ce qu'il veut dire le... on a croisé un bouton mauve dans notre vie. Alors je sais que graphiquement, distinguer un bouton... d'un pixel, c'est compliqué, mais... Nul besoin de se syndiquer. Ici, nous voulons ce qui est le mieux pour nos employés. Vous êtes important. Vous êtes l'avenir de l'entreprise. Gloire à nos employés. Ne vous syndiquez pas, je vous en supplie. Ah. Le fameux bouton, bouton mauve. Ah, il y a moult articles de ma liste de souhaits qui sont en solde. Je suis spammé de... Vous êtes l'avenir de l'entreprise. Gloire à nos employés. De notifications, tout va bien. J'ai une notification d'un certain Rick Crack qui a posté une nouvelle VOD sur YouTube. Ok. Donc oui. Est-ce que ça joue ici? Parce que finalement, on a tout testé. On a fait le 1, 2, 3, 4. N'oubliez pas que l'employé du mois... On a fait la clé du boss. Et on a fait, du coup, le code initial. Le code initial nous a donné un casque nul. Le 1, 2, 3, 4 nous donne je sais plus quoi. Et la clé du boss, bah, nous donne la clé du boss. Sur votre temps de pause, n'hésitez pas à utiliser les raquettes de ping-pong mises à votre disposition pour... Est-ce qu'on a eu un autre chiffre à un moment donné? Un autre code. 7, Orion, Chinz. T'as pas essayé les 10 000 combinaisons? N'oubliez pas que l'employé du mois aura... Je sais pas combien il y en a en vrai. Du coup, Ah si, 10 000. Il est con. Il est con. La clé du boss. Il est con. Donc Arthur viendra là. Mais si... On pose un carton vide ici. Arthur sera bloqué pour toujours, on ne le récupérera jamais, et du coup il n'ira pas au Laker. C'est une bonne théorie. Metal Gear. Jean-Michel Gear. Mais en vrai j'aimerais... Bon, alors, du coup on a la clé, on a le droit d'ouvrir avant d'affronter Michel.
Puisque là, ça va. Mais comment se transforme-t-on en carton? Pourquoi est-ce qu'on nous donne des cartons, déjà? Rien que ça, ça me stresse. Ça me stresse, y'a point S. Du coup... Ah, mais attendez, ça s'équipe, non, les cartons? Maintenant, c'est des objets clés. Les objets clés, tu te les cardes là où je pense. Ils s'utilisent à des endroits adéquats. Il y a aussi l'autre escalator. Je me souviens en plus de l'autre escalator. Déjà, il y a cette marque-là aussi qui me saoule. Et il y a l'autre escalator, celui-là. Je me souviens de quelque chose. De quoi? On l'a déjà utilisé d'une façon tierce, non? Que ce soit dans la démo ou pas dans la démo, mais je m'en souviens plus. Je me sens pas que tu l'aies utilisé. Ah bon? Je sais pas, ça me dit quelque chose. Que quelque chose était tombé de là. Non? Peut-être pas. Le call sur les bilans Growth Market et Deadline aura lieu dans la... Je suis sûr que ça sert à quelque chose, tout ça. Il n'y a même pas un bruit de pili pili, genre tu peux interagir avec quoi, le carton vide, tu te le cardes là où je pense et... Ça va jouer maintenant. Now! Voilà, j'ai le droit de re-sauvegarder du coup. Pour pas me retaper tout ce que j'ai fait, c'est-à-dire... ouvrir des cartons. Du coup, tu es Michel, rapidement. Faut pas qu'il fasse l'abduction. C'est pas une solution. C'est pas la bonne solution. Si tu me dis que c'est maintenant, ça veut dire que c'est hors du combat. N'oubliez pas que l'employé... Ou alors, tu l'as jamais testé. Ah. Clean. N'oubliez pas que l'employé du mois aura droit à un gilet unique et sur mesure. Existant en bleu. Bon, d'accord, testons. De toute façon, s'il n'y a pas de sauvegarde auto, tant qu'il n'y a pas de sauvegarde auto, I can rage quit. Alors, si on veut lui redire à donf la... Alors, est-ce qu'il y a une histoire de nombre de tours ou une histoire de PV au moment où il enclenche sa merde? Donc si par exemple, on lui pète le cul d'abord. On tape vraiment pas fort en vrai. Alors certes, on va pouvoir le punitionner. Punition, punition, punition. On aurait dû jouer full offense. Mettre tous les trucs qui tapent vraiment le plus fort possible. Après, on n'a pas des explosifs, ils sont où? Je suis passé casse-toi dessus ou... Ah non, ils sont là. À tous les monstres, c'est un peu dommage quand même. Et c'est quand qu'on débloque d'autres psychés? Quand on passe sur les autres routes? Kourou fait très mal en effet. Bah là du coup il est énervé et on va faire courir en même temps. Préparez-vous pour la bagarre.
Alors, si on se foire pas. Alors voilà, la question c'est est-ce qu'il va faire son abduction ou pas? Ou est-ce qu'il va juste se débuff? Donc là il fait son abduction. Donc il faut voir au niveau du... On va dire qu'il faut pas. On va voir au niveau du nombre de PEV. Luna fait quasiment 200 de dégâts et pareil pour Arthur. Donc si c'est à 500 PEV, qu'il déclenche son kidnappage, il y a peut-être moyen de moyenner. Alors attendez, est-ce qu'on peut pas du coup booster vraiment la puissance d'attaque de tout le monde? La casquette, ah oui, mais le problème c'est qu'on a donné ça au chien, au singe. On a donné la casquette 4 au singe, je crois. Le blouson 4, c'est ok, je crois que c'est ce qu'il y a de plus puissant. On a le double attaque avec les bretelles. Et ici, du coup... Le collier de perles augmente l'attaque. Ah oui, 60. C'est pas mal. Ici, lui aussi, la blouson 4. Ah non, bon, casquette 4, il y en a un sur Arthur, donc ça va. Bon, après, est-ce qu'on mise tout sur Arthur? Luna. Moi, la puissance de 5 avec la louche de bois. Et bon, 7. Merci d'être venu, quoi. En vrai, si, il faudrait qu'il inflige 100 de dégâts, mais. Si c'est 500. Moi, jamais d'avis, il pourra faire ça. 20. Super. Oh, le béret de cheminot, les cheminots tapent très fort. Surtout quand on s'attaque à leurs privilèges. Vingt-deux PEV. Pour moi. Ah, peut-être qu'en effet il y a des explosifs à acheter ici. Ah bah, le problème c'est qu'il faut. Nous pour nos employés. Vous êtes important. Vous êtes l'avenir de l'entreprise. Gloire à nos employés. Vous indiquez pas, je vous en supplie. Non. Bon après, je pense qu'on est pas trop mal. Hein. On devrait le faire. Hein. Ça devrait le faire. Alors, on va essayer de le mettre vers les 500. Punition! 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 Après, s'il peut faire son reset d'état, ça nous va aussi. Info chat. Bah, c'était bien tenté. Moi, c'est une info. Enfin, c'est pas une info, c'est justement une supposition. Et c'était une bonne supposition. Elle voulait seulement retrouver son singe. Des cristaux de sel. Je trouve ça de gagner. Bon, 491. Allez, on va dire 437. Ah, par contre, il faudrait que je me protège le cul. Au lieu de me gratter les parties. Alors bon, le timing il est quand même spécial, j'ai envie de dire. Parce
Vous pourrez faire du coup le rendu frame par frame, évidemment. On est d'accord que la jauge n'avait jamais touché le plafond avant, avant que je relâche. C'est impossible. Mes yeux sont accoutumés au frame perfect. Et... Mais moi j'ai envie d'être au bord du bord. Préparez-vous pour la bagarre. Hé la bagarre. Punition, punition, punition. Putain, c'est incroyable, tu es dans le chat et en même temps j'entends ta voix. C'est pour dire à quel point c'est un... La castagne, Beston. Mais on va le savoir que t'es le héros du cendrier. Le cendrier, la tabatière, et puis... Et le filtre. Il y aura le filtre aussi qui va arriver. Allez. Et, et ta musique. Alors décidément, tu es partout. Préparez-vous pour la bagarre. Oui, 450, c'était ok. Ça doit être 400, ça doit être bon. J'aurais pu frapper, mais j'ai pas osé. Trop facile. Mais trop facile, dit-il. En même temps, tu viens de faire deux boucles sur toi-même. Tu vas te calmer tout de suite. Pourquoi Luna a écrit deux fois? On ne sait pas, on veut pas savoir. Donc... Puissance, santé, volonté. Qu'est-ce que je veux? Je vais avoir au moins 3x4 de volonté. Comme ça, du coup, je peux faire 4 grues. On va essayer de booster la volonté, mais seulement par les stats et les autres trucs. Du coup, on les augmentera par l'équipement. Lui ça coûte 7 son rapiessage, son rafistolage. Bon lui en même temps s'il peut avoir de la santé sans passer par son équipement aussi ça pourrait être pas mal. Ah! Et il est par terre! Eh stop, il suffit! Ma colère, elle est la source de ma puissance! Mais bon sang, vous êtes fier de vous? Ah oui alors fier, pourquoi? Pas écrit comme ça aussi. Arthur, tu n'étais pas censé être si puissant. En l'absence de mon père, vous êtes sous mon commandement. Suivez-moi. Dehors, j'ai besoin de réponses. Moi aussi. Ah, c'est bon. Geôlier, qu'est-ce que vous me voulez? Vous semblez me connaître. Mon père a toujours que cacher des choses. J'en ai assez de ses mensonges et de ses secrets. Arthur, accompagne-moi dans l'épicentre, je t'expliquerai tout là-bas. Donc, c'est bon pour vous? Allez, au revoir, hein. Ah ben là, il s'en va vraiment. Malédiction, le marginal s'échappe. C'est pas important, le temps presse. Accompagnez-moi jusqu'à l'épicentre. Ah oui, toi aussi, la fille bizarre, où qu'il t'y soit. Ah, c'est Michel. Oui, c'est ça. Vous pouvez m'amener, Michel. Attends-nous. Pourquoi tu veux m'emmener là-bas? Michel, je cherche mon singe. Un singe? Il y a une flopée de singes au fond de l'épicentre. Quoi, au fond de l'épicentre? Toujours la bouquet bouclée avant la nuit. Le trinôme, cette fois-ci, bim. Les camarades peuvent désormais... bah non, il n'y a plus de trinôme embrigadé par Michel. Les camarades peuvent désormais porter un second accessoire, mais depuis longtemps, ça. Bon, là, je peux se garder. Vous allez pas me dire que c'est pas une route alternative, ça. Je ne comprendrai plus rien.
Il y a des choses qui ont changé. Ok. Mais faut vraiment que je retourne à la marmite au singe. Quand est-ce que je pourrais aller là-bas à gauche là? Ah hein? L'objectif c'est le dépôt. On m'a pas dit d'aller à l'épicentre. En même temps cette carte elle indique tout et n'importe quoi hein. Déjà notre bonhomme se retrouve une fois sur deux là-bas. Bon, allons au dépôt. Si on peut. D'une quelconque façon. Mais bon, qu'on ait des cartons, c'est quand même chelou. Il nous reste encore ça. Il nous reste le piano à jouer. Ah mais voilà, du coup en parlant de saucisses, tu faisais référence au donut saucisse de Confucius qu'on a nous à Montpellier. Et et qui du coup forme du coup un Thor, le Thor, symbole de l'infini. Et là qu'il y a un Quetzalcoatl, non c'est pas du tout, c'est lui, si, c'est lui. Non, Yormungulgur. Diboulgur. Yormugandre. Bon, ça. Tetsui, tetsui, tsui, didui. Patam. On est d'accord, c'est. C'est que cet emote. Un Cid qui braille. Faut le reconnaître quand même, hein. Allez, on abandonne pas. Ah, il se marre. On voit 99% de l'image, c'est sa bouche. Donc c'est assez compliqué c'est de reconnaître Cid. Et un mentaliste qui arrive. Un mentaliste sauvage apparaît. Merci beaucoup. Bienvenue à tous les raiders hein, qui viennent du coup de Pokémon Rift. Non. Wilds. Ça. Évidemment. C'est quoi cet endroit? Je suis déjà venu ici. Un sac banane. Et une épée de bois. Ça donne quoi Pokémon Wilds? Ah bah du coup vous tapez tous de la pub là. Parce que j'ai pas désactivé la pub vu que j'ai pas mis de pub depuis 10 ans. Orion! Mais qu'est-ce que... Orion qui se fait bolosser par un robot. Et voici un falafel, évidemment, c'est ça un falafel. Évidemment, tout le monde le savait. Mais pourquoi du coup, en quoi tabasser Michel plus rapidement que la musique et de se pas faire embarquer dans un carton fait qu'un falafel tabasse le singe? Ou alors c'est parce qu'on sort plus rapidement et du coup on le croise avant qu'il l'embarque dans la marmite? On ne sait pas. Bah Orion, ouais, il est casse-couille, hein. Orion qui s'en va tout le temps, là. Un falafel! Oh là là, je déteste les falafels! C'est la Perlipopette? Mais c'est mon singe! Ouais, c'est le falafel qui est mort. Ah d'accord, attendez. Hein? Le falafel, c'est mon singe? Et l'ennemi, c'est la cigogne? D'un coup, je viens de l'apprendre. Ok, merci beaucoup Mentalis. Et je regardais les VOD de ce Pokémon Wilds pour voir ce que c'est.
que j'avoue, je ne connais pas trop le concept. Ah, Luna, elle est en PLS. C'est normal, ça. Et du coup, n'hésitez pas, les viewers de Mentalis, les raiders, d'interagir avec ce nouveau personnage derrière son écran qui joue à un magnifique jeu qui est 16 Pool, un petit jeu indé fait par deux personnes, au développement, à l'histoire et au graphisme peut-être aussi, et un au son et à la musique, et du coup bah c'est cool, il est cool ce jeu, une bonne ambiance. Mais un peu méta, un peu barré. Ça va sans la cigogne. Évidemment, une cigogne qui fait le contraire de ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire qu'au lieu d'emmener les bébés à ses parents, ramène le singe dans la marmite. Il dit que c'est bien parce que je suis là. Du coup, nous avons le compositeur avec nous. Bon, est-ce qu'une seule fois, j'ai critiqué les musiques quand même du jeu? Et bravo, Falafel! Tu as augmenté de niveau. 22 et 8. Je sais pas ce que tu seras faire aussi dans ta vie, Falafel. Orion. Arthur trouve un chapeau 3. Ainsi qu'une armure lourde 2. Alors bon, ça c'est, par contre c'est un peu chelou. Ah non, d'accord, le chapeau 3 possède la capacité à armure lourde 2. Alors qu'avons-nous là? Le Falafel 0? Bien, ce genre de voyage est éprouvant. Il t'envoie pour... Quoi? Des marginaux se regroupent pour s'en prendre aux anges. Une présence bizarre à la souche. On ne perdons pas de temps. Et comment ça, il parle le falafel? Il parle le singe? En route! Le falafel des cieux. The falafel from the skies. Arthur, il est vénère. Hein. Le falafel... Mais du coup, il s'appelle plus Orion. Et Jacqueline, elle a pas dit « Oh, je suis content de te retrouver. » Osef Thiers. C'est quel personnage de la FF2 qui parle le castor? C'est qui? En même temps, je connais pas les personnages de la FF2. Firion? Guy. Guy, Jean-Guy. Moi j'ai juste joué, à FF Brave Exvius et l'autre Dissidia aussi. Et je sais plus, je crois que c'est tout. Donc du coup, normalement, il n'y a que via ces jeux que je connais les personnages de FF. Sinon, j'avoue, j'ai. À part FF7, donc le remake. Et Crisis Core, j'ai joué à aucun FF. C'est compliqué pour moi les FF. Non, mais après... j'allais dire pas assez dilaté, mais ça... On va se calmer tout de suite. Alors, donc... Sweet, sweetie, 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 lui. Alors, la souche, nous y voilà, entamons nos recherches. Vous là, avez-vous aperçu le juge ou des marginaux? Oh oui, pareil depuis la fuite, votre Altesse. Fouillons les environs. Votre Altesse? Ne traînons pas trop longtemps ici, j'ai un mauvais pressentiment.
Malédiction, papa, où es-tu passé? Même s'il est mortel, on ne devrait pas avoir peur pour lui s'il recommence. Mais attends, où est Seth? Comment ça, mais il est con ou il est con? Ah, est-ce que Seth, du coup, on peut aller le chercher et le traîner par le pot du cul? Attendez, on va retourner voir Seth, le dédé alphongique, attention. Ah. Michel Je pense que c'est un message subtil pour me dire va chercher Seth. Ça se trouve c'est 7 depuis le début, c'est un marginal, il est marginal, on n'aime pas ça, enfin les marginaux, pardon, excusez-moi. Oh, esquive, très jolie esquive, mais en vrai je sais pas où est-ce que je vais. Faut que je retourne aux geôles, les geôles qui sont... Voilà. Bon, il n'y a pas que Michel qui est limité, hein. Ne vous inquiétez pas. J'en suis la preuve vivante, ah mon dieu. Préparez-vous pour la bagarre. Marginal n'aime pas ça. Préparez-vous pour la bagarre. Regarde ça, des squatteurs, des gardiens. Qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs, pourquoi les gardiens et les squatteurs sont ensemble? Où est-ce que je dois aller? Mémoire de merde. Mémoire. Mais pourquoi ça respawn agressif maintenant? Ah, peut-être parce qu'il faut les tuer. Pour pas que ça respawn. Attendez. Je suis sûr qu'on commence. Oui. Bravo. Ok. Mais il a replenché ses coffres. Ah, bon, désolé, Seth, hein, mais. Faut pas laisser ses coffres comme ça. Anneau d'obsidienne. Ces nombreuses perles de bois reliées par une cordelette augmentent la volonté. On voit quand même des trous partout. Mais forcément, à un moment donné, on apprend à marcher sur l'eau, j'en sais rien, mais là, on vide l'eau des catacombes. Pourquoi il y a autant d'eau dans les catacombes en plus? Mais Seth, voilà, il se réfugiait ici quand il avait trop mal partout. Et du coup, non, en fait, il est pas là. Bon, du coup, au final, c'était une bonne question, Michel. Où est Seth? En vrai, on devrait level up. D'ailleurs, c'est ici en plus qu'il y a les souvenirs. Donc, peut-être qu'on devrait bumper contre les monstres. Préparez-vous pour la bagarre. Mais Luna, elle est passée où? Bah, du coup, on a le falafel, bah, super. Tu sais quoi? Tu parles de Luna? Où est-ce qu'elle est passée? Tu joues jamais le falafel. Mais il faut jouer le falafel pour qu'il devienne plus puissant que puissant. C'est Michel qu'il faut enlever. On veut plus de Michel, eux. Michel, il nous a saoulés. Il nous a tellement saoulés. Ah, tu sais où est Seth? Bah, en même temps, il pourrait être partout. Enfin, on pourrait retourner au promontoire lunaire. Peut-être qu'il s'échappe. Mais en même temps, il veut se venger des chevaliers. C'est parti. C'est parti. On va retourner au geôle par là, de toute façon c'est tout aussi rapide, on pourra redescendre.
toujours ce truc là. Hein. Zone de déchargement. Je sais pas pourquoi ça me parle tant que ça à cet endroit. Bah, lors de la démo, il était bloqué par. Bah non, il était bloqué par rien du tout. Bon, retournons à la souche. Ça fait 90 ans qu'on n'a pas sauvegardé, sachant qu'on n'est pas à l'abri d'un crash imminent. Ouais. Morten. Elle a répété deux fois la même chose. Hein. C'est vrai que ce jeu est un modèle de stabilité. Oui, donc du coup on enquêtait sur le juge et machin. Ils reviendront, ils nous l'ont promis. Les six autour de la table ronde. Oui, allô? Le système, les anges en danger. Trouve la source du problème à la souche. Et donc là, on a l'orgue de barbarie. Et on peut être désappointé par la cascade aussi. Et ça, ça intéresse personne. Ah! Mais 7, mais qu'est-ce que tu fais là? 7, c'est aussi des choses, hein. Hé, hey, qu'est-ce que tu fais? 7, arrête le piano! C'est du violon. Mais d'accord. Ah, salut Arthur! Je le savais! Vous, les marginaux, vous êtes tous les mêmes. Quand vous jouez du piano, ça a un bruit de violon. Mais bien entendu, je n'ai jamais caché mes intentions. Le cloque te hurle des vérités enfouies, mais tu ne l'écoutes pas. Désolé que tu te sois retrouvé impliqué dans tout ça, Luna. J'aurais adoré t'amener à la mer. La mer? 7, tu... Ah, on a de la compagnie, Michel E. Préparez-vous pour la bagarre. Et pourquoi Michel E, il est dans l'équipe? Je l'avais pas scoop. Démon irréprouvé. Il s'incruste, Michel. Punition! 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 Bon, Michel. 12 de dégâts. Ah, 0. Endorphine. Tout le monde est heureux. Punition, punition, punition. Oui, là, je peux changer, je pense. Bon, après... Il fait des dégâts, hein, mais... Ah, bah tiens. Est-ce qu'on va faire une pêche au trésor ou on va faire crasher le jeu? Attention, vous êtes prêts? Non. Je suis un peu déçu. On aura pu le tuer avec Orion. C'est parti. Et c'est quand qu'il chope de la psyché Orion du coup? On aurait pu faire la marée montante avec mon accent polonais. Et des guerres.
Non, mais voilà, sur les 2h30 de live, on a eu qu'un seul crash. Hein. Au tout début. Ou alors. Je sais pas, c'est l'essoufflé ou alors c'est le rigole. Bon, il rigole. Désolé pour ce contre-temps, vous voulez m'arrêter? Retrouvez-moi au terminus. Mais. Peut-être changerez-vous David d'ici là. Ne dis rien qui vaille, dépêchons-nous. Qui parle? Michel, attends, je t'en prie. Daniel. Il est encore temps d'arrêter. Avec un accent circonflexe, s'il te plaît. N'y va pas, la machine. Et ça s'arrête comme ça. Très bien. Je ne te souviens plus de comment jouer cet instrument, mais je l'ai su à un moment donné ou... Parce qu'apparemment, cette joue très bien du piano, piano-violon, mais quand même. Piano-long. Piolon. Et il m'a dit quoi, rendez-vous dans 10 ans? Mais on n'est pas dans la salle d'attente, bordel. Le dépôt. Non mais il m'a pas dit ça, si, il m'a dit le dépôt. Non, il m'a dit quoi? J'ai déjà oublié. Hein. L'épave, il m'a dit l'épave, non? Ah, au terminus. Ah, au terminus. Bah, à la fin de l'existence. Alors, existence avec un A, je suis pas sûr, mais en vrai, je confonds peut-être avec l'anglais. C'est possible que oui, avec un existant, ANT. ANT! Alors. La corniche du pénitent le passe, le retour, puis des cartons. Arès. Ah, mais le retour de Arès qu'on avait... qu'on avait gruté. C'est vrai, les radios qui backseat, c'est pas mal. On avait gruté ce truc-là qui augmente de manière permanente, poète-poète, sur Michel. Mais vu qu'on avait rage quit entre-temps... Le voyage continue. Mais pourquoi il level up, Arthur? C'est bon, on est déjà suffisamment puissant, calme-toi. Tu n'as plus besoin... d'être aussi vénère. Ouais, d'accord, hein, c'était un gros le... Ça rapporte multi XP à hein, une mimique. Bah là, Orion, il va monter de 40 niveaux, non? En fait, du coup, c'est pas Orion, c'est juste Falafel. C'est pas mon singe, si. C'est un singe en couche-culotte, je suis pas sûr qu'il y en ait 700, si. Et en Marcel Crop Top. Ah, mais au final, tout le monde a un Marcel Crop Top. Ça, c'est incroyable, quand même. Bon, il est où ton terminus de ses morts? On va aller voir la radio, du coup. La radio cloaque. Lol. Lol. Le terminus, rebouche chemin jusqu'au cendrier et longe la côte. Bonne fin de voyage. Il longe la côte. Cendrier. C'est le tout début, Cendrier. Et du coup, si on va quand même aller voir Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que du coup j'aurais coupé la VOD ici aussi, parce que là ça fait encore une heure. Et il nous reste encore une heure de live, peut-être. Même si c'est vrai que là ça fait déjà de 1h30, voire. Bien, c'est fermé, très bien. Bon, en tout cas des bisous à la VOD si jamais je la coupe ici aussi. Et ça vous la coupe aussi, hein. Incroyable. Des bisous.